Vous avez une fonction Pnx qui est la somme pour k égale 0 jusqu'à 2n plus 1. 2n plus 1 ou 2n moins 1? 2n plus 1, c'est bien 2n plus 1. De moins x puissance k sur k factoriel. On vous dit que cette fonction elle est décroissante, qu'il existe un unique un qui appartient à l'intervalle 1, 2n plus 1, tel que P de un est égal à 0. Et donc en deux temps, on veut vous faire trouver une approximation de un par dichotomie. Le premier temps, c'est d'abord de créer une fonction qui calcule votre fonction Pn. Il faut créer une fonction qui calcule ceci. Pour ça. Alors sur le principe, j'aimerais que ça c'est des révisions entre guillemets, mais ce que j'aimerais que vous maîtrisiez, c'est le calcul d'une somme de proche en proche, parce que ça c'est calculer une somme. C'est calculer une somme jusqu'à 2n plus 1, mais ça revient à calculer entre guillemets s 2n plus 1 pour une suite sn qui serait juste la somme pour k égale 0 à n là, des moins x puissance k sur k factoriel. Et ça, on sait le faire parce qu'on sait que calculer une somme comme ça se fait par Schall en faisant une relation de proche en proche. C'est-à-dire que Sn plus 1, c'est tout simplement donc la somme de 0 à n plus 1. Donc c'est par Schall, c'est tout simplement la somme de 0 à n, mathématiquement, hein, des moins x puissance k sur k factoriel, plus le terme en moins x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait tout simplement, si je réécris ça, que Sn plus 1 c'est Sn plus un terme d'ordre n plus 1. C'est-à-dire que en fait Sn c'est une suite, ce que moi je vous ai appelé, une suite récurrente non autonome. Et on doit savoir programmer ce genre de suite. Donc par ce principe-là, on sait absolument programmer une fonction qui sait calculer cette somme. Depuis le début de l'année, c'est quasiment notre premier chapitre. La fin de notre premier chapitre, vu que j'avais pas fait de sigma au tout début, mais c'est vraiment quelque chose qui est en révision. Donc comment on fait pour faire ça? Donc on va rajouter ça au cœur d'une structure de fonction. Je vais prendre un peu de place, donc je vais essayer de me coller là-haut. Donc la structure de fonction, elle est imposée par la question 1 du sujet. Il vous demande une fonction qui doit renvoyer une variable y, qui crée une fonction de p de n et de x, et qui en sortie tout en bas, donc doit renvoyer y, donc je mets n function tout en bas ici. Je vous rappelle que ce qui joue le rôle de n et de x, ce sont les entrées, c'est-à-dire dans une fonction, c'est l'équivalent de ce que vous notiez avec les inputs, ce qui est en tout début de programme, et y, c'est ce qui joue le rôle de l'affichage, donc ce qu'on appelle aussi les sorties. Donc voilà ce qu'on fait. Et on veut créer une fonction qui me calcule ma somme, donc qui me calcule ma suite SN. Donc je pourrais carrément faire ça comme une suite, c'est-à-dire que ce qui me manque aussi, c'est que je ne vous ai pas calculé par exemple S0. S0, ça me fait la somme pour k égale 0 jusqu'à 1 des moins x puissance k sur k factoriel. Donc ça fait 100 en 0, en 0 ça me fait du moins x puissance 0 sur 0 factoriel, ça me fait du 1 en 0. Ça par exemple ça me fait du 1 moins x en 0 s0. Donc si je veux programmer ça comme une suite, je vais par exemple calculer s qui vaut 1 moins x en initialisation. Je vais faire une boucle for, alors j'ai un indice k qui va aller de 1, je rappelle qu'on veut calculer s2n plus 1. Donc k il va de 1 jusqu'à 2. Alors ça va faire du 2 fois. C'est une étoile que je mets qui est mal passée. Moi je vais l'effacer. 2 fois n plus 1. Donc, comme ça je fais bien ma boucle. Je fais bien le bon nombre de calculs dans ma boucle. J'ai vu que ma ligne de mise à jour c'est celle-ci. C'est sn plus 1 qui vaut sn plus ceci. J'ai choisi de faire des indices qui varient bien pour la boucle. Donc il faut que je fasse gaffe un tout petit peu à ma mise à jour en dessous. Ça va me faire du S est égal à S plus. Et maintenant, il faut que je réfléchisse. Quand je calcule S1 là-dedans, je pose N est égal à 0. Et si je pose N est égal à 0, je mets du N plus 1 ici. Donc je mets de la puissance 1.
Donc ce qui joue le rôle de la puissance 1 dans ma première boucle, c'est k. Donc ça va me donner en fait du moins x puissance k sur k factoriel. Alors k factoriel, c'est le produit de la liste de 1 à k. Ceci, je vous rappelle qu'en informatique, ça fait k factoriel. Ah, mais voilà comment on doit savoir programmer k factoriel et comment on doit savoir programmer cette somme. Avec ça, je calcule parfaitement ma suite. Donc il me manque juste une dernière ligne pour conclure. C'est que ma fonction veut renvoyer quelque chose en y. Je n'ai pas le choix. Donc si ma fonction veut renvoyer quelque chose en y, il faut que je pose par exemple à la fin y égale s. Et j'ai bien créé une fonction qui fait parfaitement le travail que je voulais. Bon, pour le moment on n'a pas parlé de dichotomie, mais voici une première façon de faire cette fonction somme. Est-ce que ça vous va en termes de cadre de révision? Je vous ai juste remontré comment programmer une somme comme une suite récurrente non autonome, ce qu'on savait faire en début d'année, et j'ai incorporé ça dans un script de fonction, qui était des choses qu'on avait vues avant de se séparer en distanciel, même si on n'a pas pu trop faire de TP là-dessus. Est-ce que ça vous va sur cette première façon de faire la fonction PN? Je vais parler d'une deuxième façon derrière parce qu'on peut le faire aussi par les opérations pointées. Alors, donc ça c'est une première façon. Hop, j'efface toute la partie mathématique que j'avais mis autour. Parce que là on peut le faire avec les opérations pointées et je pense que c'est ce qu'il voulait faire dans le sujet. Alors, hop, je garde ce script-là pour le moment. Je vais parler des opérations pointées. Pourquoi? Parce que dans le sujet, il vous parle de la fonction factorielle. En vous disant, on peut calculer la factorielle par la fonction factorielle. Je viens de vous le mettre dans le script qui était là, mais k factoriel, il est logique d'un point de vue informatique pour nous de le calculer comme ça. Donc s'il nous parle de la fonction factorielle, c'est parce que c'est une fonction de Scilab au même titre que x, que sqrt pour la racine, que log pour le ln, qui sont des fonctions Scilab. Toute fonction Scilab déjà créée par Scilab accepte les listes en entrée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour calculer par exemple la factorielle, ce qui veut dire qu'on peut créer en faisant par exemple factorial la commande, je vais écrire comme ça, la commande factorial de 0 jusque n, créer une liste, créer la liste. 0 factoriel, 1 factoriel, 2 factoriel, jusqu'à n factoriel. Donc on peut créer des listes avec la fonction factoriale, donc on doit certainement pouvoir faire le calcul de cette somme par opération pointée. Je ne vais pas réussir à garder les deux en même temps, donc je vais effacer celui-là, je suis désolé. Mais on peut aussi calculer p de n et de x par opération pointée. On peut donc calculer somme pour k égale 0 jusqu'à 2n plus 1 des moins x puissance k sur k factoriel par opération pointée. Alors je vais le faire aussi en plusieurs lignes, on pourrait tout résumer en une seule ligne, mais je vais créer ma function pnx, qui renvoie une variable y comme avant, qui va se finir par un n function tout en bas. Ah, je sais d'ores et déjà que ma dernière ligne, ça doit être y égale, vu que je dois renvoyer du y. Et entre deux, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je viens déjà de parler de la première liste que je pouvais créer. Je peux créer une première liste qui est L1, qui se fait à partir de factoriel. Alors attention, j'ai mis là-haut ce que ça donnait de créer une liste jusqu'à factoriel n. Sauf que nous, on veut aller jusqu'à 2n plus 1. Donc il faut juste adapter un tout petit peu ça. L1, c'est factoriel de 0 jusqu'à 2n plus 1. Ça me crée bien, mathématiquement, une liste qui contient en premier élément 0 factoriel, 1 factoriel, et qui va jusqu'à 2n plus 1 factoriel. Ok, j'ai cette liste-là. Donc j'ai entre guillemets mon dénominateur. Il faut que je crée une liste pour mon numérateur, le moins x puissance k. Ça se crée déjà par opération pointée, entre guillemets. Je vais faire moins x qui est fixe, qui ne bouge pas. Par contre, k varie. Donc pour faire une opération en faisant varier k, je vais faire point chapeau.
Et je vais aussi faire varier k de 0 jusqu'à 2 fois. Non, c'était. Je voulais mettre une parenthèse de plus autour de 2n plus 1 pour être sûr que ça va de 0 à 2n plus 1, comme ça. Mais voilà ce qui me calcule mon numérateur. Ça me fait bien une liste qui contient, entre guillemets, moins x puissance 0, moins x puissance 1, jusque moins x puissance 2n plus 1. Donc il me reste plus qu'à faire les opérations pas à pas sur ces deux listes-là, entre guillemets, et d'en faire la somme. Donc ma dernière ligne Y, ça va juste devenir la somme de L1 divisé terme à terme. Donc je fais un point divisé par E. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. J'ai d'abord créé L1, c'est le dénominateur. Donc c'est la somme de L2 point divisé par L1. Et donc ça permet de calculer, c'est une autre façon, par les opérations pointées, de calculer notre fonction PNX. Est-ce que ça vous va ça? Ça vous fait une deuxième façon de faire cette fonction PNX, qui est une autre façon de réviser par les opérations pointées. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice 1, 4, 1, parce que même la première question est super riche en termes de ce que ça vous permet de savoir faire. Ok, donc maintenant on a la fonction PNX, c'est acquis, on la connaît, on l'admet, on la reprendra plus cette fonction PNX, et on va essayer de faire de la dichotomie avec. C'est-à-dire qu'on va essayer d'approcher UN en connaissant ce principe-là, mais il n'y a pas vraiment besoin de tout savoir. On sait le fait que le nombre UN, il appartient à l'intervalle 1, 2n plus 1. On sait que PN de UN, ça fait 0. Et on sait que PN aussi est décroissante. Ça peut être utile, même si normalement, on n'en a pas besoin. Et avec ça, je vais faire de la dichotomie. Donc je vais me permettre d'effacer ma fonction PNX, là, la deuxième que j'ai fait. C'est ça derrière, mais je vais effacer ma fonction PNX. Et on va faire ces calculs de. Est-ce que le point, on doit le mettre obligatoirement devant ou derrière, ça marche? Non, devant. Une opération pointée, c'est point divisé, point multiplié, point puissance, c'est devant, forcément. Donc allons-y. Alors là, du coup, j'attaque la question 2 de cet exercice que je vous ai mis dans le chat là-haut et il vous demande de recopier et compléter le script Scilab que j'avais pas fait suivant. Donc, ils veulent une approximation de la suite UN. Donc, ils vous donnent la function U égale suite N. Ils vous donnent A, B, C égale A plus B sur 2, vous disant bien que c'est le milieu de votre dichotomie. Il vous donne un while vide, il vous donne un if vide, donc c'est la condition qu'il ne vous donne pas ici. Then, dans ce cas-là, ils vous font du A égale C. Else, c'est B égale C. Fin du if. Après le if, il vous repose un C égale. Ils mettent fin au while. Après le while, ils vous remettent une ligne inconnue. Et tout en dessous, ensuite, il y a le end function. Donc là, j'ai réussi à tout écrire sur une seule colonne de ce script. Mais donc, il faut compléter les lignes. Si elles sont numérotées, hein. Là, c'est 2, 3, 4. Il faut compléter 5, 6 aussi. 7, 8, 9, 10, 11 et 13 qu'il faut compléter, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Hop. Alors, il y a des choses évidentes, il y a des choses plus compliquées, et donc il faut aussi rajouter quelque chose, c'est qu'ils vous disent dans le texte qu'ils veulent que ça approche UN, et ils vous demandent à 10 moins 3 près. Donc le principe de dichotomie étant de prendre une fonction qui s'annule sur un intervalle AB et de diviser par 2 la longueur de l'intervalle AB à chaque pas, ce qu'on a déjà vu, ce que je vous ai déjà refait pratiquer la semaine dernière. Qu'est-ce qui va être simple, qu'est-ce qui va être compliqué? La première chose qui va être assez simple, c'est au début, ils ne vous donnent pas les valeurs de A et B, il faut les fixer vous-même. Ça, c'est à peu près évident. On sait que la solution UN, mathématiquement, c'est donné dans l'énoncé, elle est comprise entre 1 et 2n plus 1. Donc on veut clairement poser là-dedans que A, ça vaut 1 et que B, ça vaut 2n plus 1 pour être dans l'intervalle le plus large possible.
Ensuite, on vous fait calculer que C, c'est le milieu de AB. Et donc ça vous fait penser à de la dichotomie. De toute façon, ils veulent approcher par dichotomie. Je ne l'ai pas mis là, mais on veut clairement approcher par dichotomie. Et donc, on vous met une boucle while. Alors, je rappelle que le principe de la dichotomie, c'est de diviser par deux la longueur de l'intervalle. La longueur de l'intervalle, c'est B-1. Donc, tant que cette longueur B-1, on veut la réduire à un intervalle plus petit que 10-3. Donc, on veut B-A plus petit que 10-3. Donc, on fait des calculs tant que B-A. Donc, on nie, hein. Tant que B-A est plus grand strictement que 10-3. Donc ça nous donne une ligne aussi facile à remplir, c'est que on va faire des calculs tant que B-A est plus grand, et là c'est juste une façon de le noter. En Scilab, on va noter ça avec du 1E-3. Ensuite, il y a encore quelque chose qui n'est pas trop compliqué ici à répondre, c'est que après avoir fait des tests, on en parlera, les tests c'est lié au principe de dichotomie et ce sont les lignes compliquées à répondre à chaque fois. C'est là où il faut réfléchir par rapport à l'algorithme de dichotomie, le reste il n'y a pas trop à réfléchir. Il vous demande de mettre à jour C. Ah, C, il n'y a pas trop le choix. C, c'est toujours le milieu de notre intervalle à chaque étape de la boucle. Pour pouvoir boucler, il n'y a pas trop le choix. Il faut poser ici à cette ligne-là sans trop de doute. Ah, on n'a pas trop de choix. Il faut poser C qui devient encore une fois à nouveau A plus B sur 2 afin que toutes les lettres jouent le même rôle dans la prochaine boucle du while. Donc cette ligne-là aussi est un peu contrainte, on n'a pas trop de possibilités là-dessus. La dernière ligne, c'est une ligne d'affectation. Et là aussi, elle n'est pas très dure, au moins sur le membre de gauche. Ça n'a encore une fois rien à voir avec l'algorithme de dichotomie, ça a à voir avec la structure de fonction. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il faut mettre en membre de gauche à cette dernière ligne? C'est évident. Ce qu'il faut mettre en membre de gauche. J'ai pas parlé du membre de droite. Mais le membre de gauche, c'est évident ce qu'il faut mettre à cause de la structure de fonction qu'on vous a donnée. On parle de variables pour le moment A, B, C partout. Et je vous rappelle que l'entête de la fonction, c'est U égale suite de N. Donc la dernière ligne, il n'y a pas trop le choix. Le membre de gauche, on sait ce que ça doit être. Oula, je vais zoomer à fond. Ah mince, j'ai décalé tout. Je vois plus rien. Bon, j'ai fait n'importe quoi avec mon écran. Je suis désolé. Ah, j'ai dézoomé. Normalement, ça ne fait rien chez vous, mais j'espère que ça ne va pas me gêner pour réécrire la suite. Personne ne sait ce qu'il faut mettre au membre de gauche. Bon. Oui, Raphaël, c'est U. Je rappelle que ceci, ce sont les sorties de la fonction. Si vous ne définissez aucune variable u dans votre algorithme, vous ne sortirez rien de votre fonction. Vous faites des calculs dans le vide. Donc ça, c'est tout simplement u égale quelque chose et ça doit renvoyer une valeur approchée de votre algorithme. Donc tout simplement, soit vous renvoyez C, soit vous renvoyez A, soit vous renvoyez B. Vous pouvez même re-renvoyer, on verra ça plus tard, mais j'en reparle. Là, vu comment c'est écrit avec un C qui est fini dans la boucle, c'est pas très intéressant, mais vous pouvez aussi renvoyer A plus B sur 2. C'est-à-dire que cette dernière ligne, que vous ayez mis A, C, A, B, A plus B sur 2 à droite, on s'en fiche royalement, vous avez bon. La seule chose qui compte, c'est que vous ayez renvoyé ça dans la variable U, qui était ce qu'on vous a imposé dans l'entête de la fonction. Sinon, vous ne renvoyez rien par votre fonction. Ah, ok. Le C égale A plus B sur 2, ligne 11 est important. Bah oui, sinon en fait tu peux pas boucler. Sinon ton C il n'a pas évolué. Tu as modifié A et B, mais tu n'as pas remodifié C. Il faut bien recalculer C comme étant le nouveau milieu d'une nouvelle intervalle. Sinon ça ne se boucle pas. Sinon on n'est pas dans la même situation qu'avant, au début de la boucle d'après. C'est juste ça, hein, Martin. Mais oui, c'est pour ça qu'ils vous ont mis une ligne C deux points à compléter. Mais il vous précise bien que c'est ces deux points à compléter, donc il n'y a pas trop de doute et c'est pas trop compliqué. Bon, j'efface un peu les fioritures que j'ai mis là autour, parce que maintenant il nous reste la ligne la plus importante à compléter, qui est la ligne tout simplement, enfin ce qui fait partie de la dichotomie, ce qui est ce bloc-là. Alors là, ils ont fait un choix particulier, c'est qu'ils nous ont imposé les mises à jour,
Et donc nous, ce qui nous reste à faire et à écrire et à travailler, entre guillemets, c'est le test. Quel test permet d'obtenir ces mises à jour? Alors là, ils vous disent dans l'exercice que la fonction PN, elle est strictement décroissante. On peut s'en servir pour les graphes, mais moralement, quelle que soit la situation, et que vous me fassiez des graphes croissants ou décroissants, je m'en fiche royalement, il faut que vous me fassiez une graphe des deux situations de mise à jour possibles. Quelles sont les deux situations de mise à jour possibles? Bah, vous me faites une fonction qui est positive d'un côté, négative de l'autre, ça, dans les deux graphes, ça doit être la même situation. Mais en gros, pour le graphe de la fonction PN dans les deux situations, même si on ne le connaît pas, ce qui peut se passer, c'est que soit elle met longtemps à s'annuler, ça fait un graphe comme ça, soit elle va très vite à s'annuler, ça fait un graphe comme ça. Du moment que vous tracez ces deux graphes-là, vous aurez les deux situations possibles entre deux annulations. Ah, donc ça, c'était ce qui jouait le rôle de A et de B au départ, par exemple. Enfin, plutôt A ici en bas et B ici au niveau de l'axe, hein. On a le même A et le même B ici. Et donc dans votre algorithme, ce qui joue le rôle de C à chaque fois, c'est le milieu. Donc là, à chaque fois, le milieu, c'est le même, hein. C, il est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on teste par dichotomie et qu'est-ce qu'on voit? C'est que bah, ici, on a donc PN de C. Ici aussi, on a PN de C. Et donc, par exemple, on peut regarder par rapport au test dans les deux situations ce que ça donne. Par exemple, je vous l'ai dit depuis la vidéo il y a avant les vacances ou le cours la semaine dernière. Ce qu'il faut tester, c'est le signe de deux quantités. Donc, soit PNA, PNC, soit PNC, PNB. À vous de voir. Là, par exemple, je vais faire le choix de vouloir tester PNA, PNC. Dans ma situation 1 que j'ai tracée ici, j'ai clairement PNA fois PNC qui est un nombre strictement positif. Et ce que ça implique si PNA, PNC est strictement positif, c'est que, bah, en fait, je n'ai pas d'annulation entre A et C. Donc je dois ramener le point A en C. Donc je dois faire une mise à jour du type A égale C. Si par contre dans le deuxième graphe ici, j'ai la quantité PNA fois PNC dans ce graphe-là, qui est clairement strictement négatif, ça se voit, hein. Donc clairement, quand je suis dans ce cas-là, la mise à jour que je dois faire, c'est que c'est B qui doit aller en C. Donc c'est ce que me donne mon graphe de la situation 2. Du coup, la question, c'est puisqu'on m'impose le fait que je veux mettre à jour sous la forme A égale C dans l'alternative où mon if est validé, je correspond donc à la situation qui est là-haut. Je veux donc mettre dans mon test, ici ce que je veux mettre, c'est donc je veux tester si PN de A fois PN de C est strictement positif. Alors ça, c'est mathématiquement, il me reste à écrire ça vis-à-vis des notions informatiques de mon programme. Donc je réécris ici comment il faut compléter. Il faut juste compléter en écrivant. Je rappelle que c'était la fonction PN comme ça qui était écrite, donc PNA fois PNC. Strictement positif. Si vous mettez ça dans le if, à cause des deux graphes que vous avez fait, vous êtes sûr et certain que ça va compléter votre algorithme de dichotomie comme il faut. Donc pour moi, il n'y a pas trop le choix. Pour que la dichotomie marche et que vous puissiez faire ce que vous voulez, il faut que vous sachiez faire vos deux graphes et que vous puissiez dire, ah bah si j'ai telle situation, voilà ce qu'il faut faire. Et si j'ai telle situation, c'est telle autre mise à jour qu'il faut faire. Du moment que vous arrivez à décrire ça à chaque fois, vous pourrez toujours compléter, que ce soit le test ou les conditions, en fonction de ce qu'il vous donne. Est-ce que ça vous va sur la façon dont j'ai complété cette ligne de test par rapport à mes deux situations potentielles? C'est vraiment ça le principe de dichotomie. C'est ça qu'il faut comprendre. Si ça vous l'avez compris, maintenant, pendant la petite demi-heure qui reste, on va juste appliquer ça à tour de bras à plein d'autres exos. Bon, bah, si c'est bon, bah, on continue. On fait le 1-4-2. Alors, je vous mets le 1-4-2. Hop, non, c'est pas ça que je sélectionnais, pardon. Hop. Je vous le mets dans le chat, le 1-4-2. Hop, j'efface tout ça.
Hop. Alors, on change un tout petit peu de contexte pour le 1, 4, 2, mais rien de très très méchant. On vous donne une fonction fn de x qui vaut x puissance n plus x moins 1. On vous dit que fn est strictement croissante et elle s'annule une unique fois en fn de un qui vaut 0 avec un qui est un nombre entre 0 et 1. Voilà ce qu'ils vous disent dans le sujet. Et ils vous demandent d'approcher un par dichotomie. Ah, donc je vais recopier le script, c'est function u égale valeur approchée, ils appellent ça valeur approchée de un, non pas de un, de n, pardon. Il vous donne dans votre script a égale 0, b égale 1. Il vous donne tant que quelque chose a complété ici. Il vous donne derrière c égale a plus b sur 2. Il vous donne un test. Vous n'avez pas le choix du test. C'est tant que c puissance n plus c moins 1 strictement positif. Alors, il vous laisse compléter les deux alternatives. Vous mettez fin au if. Et après le if, ils mettent u égale, ils mettent fin au while et ils mettent fin à la fonction. Ah, bon. Et donc ils veulent que cet algorithme-là vous donne une valeur approchée. Donc ils veulent approcher un. Ah, et là ils vous donnent du 10-3 près encore par dichotomie. Comme tout à l'heure, ils veulent faire ça pour cet algorithme-là. Il y a des choses qui sont fondamentales et qui marchent comme tout à l'heure, hein, même si là elles sont complétées. Le fait qu'on savait initialement. Ah bah, j'ai encore reperdu mon stylo. Je suis obligé d'arrêter la présentation et de la relancer, je suis désolé. Donc le fait qu'ils nous ont donné que un est compris entre 0 et 1, ça nous fait l'équivalent du a égale 0, b égale 1 ici. Le fait qu'ils nous disent qu'ils veulent approcher un à 10-3 près, ça va nous donner quoi comme ligne? Et comment je la complète? Si vous avez compris, ça nous donne une ligne simplement ça et on sait comment la compléter. Vous pouvez écrire la ligne dans le chat, hein, tout simplement, ou le, enfin, faire ce que vous voulez, c'est juste, est-ce que vous voyez quelle ligne ça va nous donner, le fait qu'ils veulent approcher UN à 10-3 près? Ah, si vous étiez censé avoir compris tout à l'heure, je vois pas pourquoi vous avez du mal à faire ça. Oui, Léa, ça va donner la ligne du while, et ça va donner du while b-a, strictement plus grand que 1e-3. Donc ça, c'est ce que ça vous dit ici, c'est ce qui vous fait boucler votre algorithme de dichotomie jusque-là. Il vous aide aussi beaucoup, je trouve, dans cet algorithme, parce que la structure de fonction vous demande de renvoyer u là-haut. Et il vous donne une ligne ici en U tout au bout. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez renvoyer pour ce truc-là U égale A, B ou C. Ce qu'ils attendent souvent, sûrement de vous, c'est C. Vous pouvez faire même du zèle en faisant une dernière fois du A plus B sur 2. On en reparle tout à l'heure. Mais ça revient à faire une boucle de plus de votre algorithme si vous leur envoyez du A plus B sur 2. Mais donc cette ligne-là, c'est juste du... Faut juste la compléter correctement pour que ça fasse ce qu'il faut et vis-à-vis de la structure de fonction. Donc, ils vous aident beaucoup en vous disant que c'est du U ici. Petite remarque sur cette dernière ligne en U, elle est horrible pour moi. Alors, elle est horrible d'un point de vue prof qui a mis ça dans un sujet de concours. Juste parce que le U est mis à l'intérieur du while, le while se termine ici, alors que ça ne change strictement rien de le mettre après le while et avant la fin de la fonction, et que là du coup à chaque boucle on affecte u, ce qui perd du temps à notre algorithme.
Alors que le maître en dessous du while est juste strictement meilleur d'un point de vue programme. Que vous me fassiez cette erreur-là, je m'en fiche, ça c'est pas une vraie erreur, ça ralentit juste votre programme. Mais qu'un prof demande de compléter ça avec un U à l'intérieur du while, ça m'insupporte. Donc attention à ça, on peut mettre le U en dessous, c'est strictement meilleur. Donc pour le moment, on a fait tout ce qui se fait un peu naturellement. Il nous reste le gros du détail à faire, c'est toujours le if. Donc ils nous mettent ici, c'est exactement l'inverse que tout à l'heure, ils nous donnent la condition et ils ne nous disent pas comment on doit faire les mises à jour. Ah, donc on regarde les différentes infos, hein. On a bien un point qui s'annule avec une fonction strictement croissante. Donc on va refaire deux graphes et voir ce qui se passe en fonction des deux graphes. Donc dans quelle situation on peut être vis-à-vis d'une fonction croissante? Bah, je fais mes points A et B. Un deuxième graphe, je fais les mêmes points A et B pour bien voir ce qui peut se passer dans deux situations identiques. D'un côté, je fais un graphe d'une fonction qui monte très vite, de l'autre, je fais un graphe d'une fonction qui monte très lentement. Si je fais ça, j'ai bien à ce niveau-là mes points A, j'ai bien à ce niveau-là mes points B. Partout, je vais pouvoir mettre au milieu de mon intervalle mon point C. Ici, je vais avoir ma fonction f de c. Ici, je vais avoir ma fonction f de c encore. Et là, si vous regardez le test, ils font le test par rapport à cette quantité-là. Cette quantité-là étant tout simplement fn de c strictement positif. Donc fn de c strictement positif, ça correspond nous à notre situation 1. La situation 2 étant le cas fn de c strictement négatif, qu'on ne considère pas vu qu'ils nous ont donné le test, mais on pourrait le faire. Dans la situation 1 où fn de c est strictement positif, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce nombre étant de ce côté-ci, il est du même signe que b. Donc c'est b qui doit être ramené en c pour qu'il y ait un changement. Donc ça implique qu'il faut poser b égale à c dans ce cas-ci. Et on se replace sur l'intervalle du coup AC. Dans l'autre situation avec Fn strictement négatif, c'était l'inverse. Il aurait fallu poser A égale C ici. Mais donc, puisque le test qu'il vous donne, c'est le test qui correspond à la situation 1, si la situation 1 se produit, on voit donc qu'il faut compléter en mettant ici, bah, pour la première ligne, c'est B égale C, d'après ce que je viens de dire à l'oral. Et dans l'autre cas, c'est quand on se retrouve dans la situation 2, d'après l'analyse qu'on a fait, c'est bien A égale C qu'il faut mettre. Et donc voilà comment on complète cet algorithme et comment on a bon à cet algorithme de dichotomie. Est-ce que ça vous va pour la correction de ce petit exercice 1-4-2? Il y a vraiment différents points à chaque fois, c'est pas très très compliqué, c'est répété. Alors je suis d'accord qu'au tout début, il faut assimiler quand même quelque chose enfin, de globalement lourd pour comprendre globalement la dichotomie. Mais en général, une fois que vous avez fait l'effort d'investir un tout petit peu dessus, c'est toujours les mêmes calculs qui reviennent et toujours les mêmes complétions, les mêmes arguments. Cette idée des deux graphes à faire à chaque fois. En fonction de si ça change vite de signe ou pas, pour voir dans quelle situation vous voulez vous placer ou vous devez vous placer, me paraît essentiel pour arriver à faire des choses qui marchent bien. Alors allons-y. J'avais déjà fait le 3-1-2. Oula, mince, j'ai fait une bêtise. Hop. Je vous mets dans le chat l'exo suivant, c'est le 3-1-3. D'effacer tout ça. Alors, dans le 3-1-3, une dichotomie un tout petit peu différente. Parce que c'est pas typiquement parfaitement de la dichotomie officielle. Mais ça change pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui change dans le 3-1-3? C'est que là, on vous donne la fonction, donc c'est on vous donne. Oula, j'ai fait un bug. On vous donne la fonction hn. Hn de x qui vaut x puissance n plus 1 sur x puissance n plus 1.
On veut trouver les solutions de l'équation HN de VN non pas égal à 0, et c'est ça qui change, c'est du égal 4 avec VN qui est dans l'intervalle 1, 3. Voilà ce qu'on vous donne. Ok. Donc ce qui change, c'est qu'on n'a pas parfaitement de la dichotomie parce que c'est pas une équation du type HN de VN égale 0. Bon, par contre, ça on peut le réécrire, HN de VN moins 4 est égal à 0. Du coup, si je pose ça G de VN, on peut se ramener avec un G de VN qui vaut 0. Si je change la fonction HN en lui enlevant 4, donc si je pose en fait GN de X, tout simplement, c'est X puissance N plus 1 sur X puissance N moins 3, si je peux lui enlever 4. Donc on pourrait tout à fait se ramener à de la dichotomie classique, donc c'est vraiment la même situation que de la dichotomie. C'est juste un tout petit peu différent, mais on va suivre leur notation à eux, vu qu'ils veulent faire par dichotomie approcher la suite VN. Et pour ça, ils nous demandent deux choses, un peu comme dans le premier exercice qu'on a fait aujourd'hui. Première question d'informatique, ils nous demandent de créer une fonction h de n et de x. Alors, ils nous ont noté comment l'entête? Parce qu'ils nous donnent l'entête. Ils veulent encore appeler ça y comme tout à l'heure. Et ils veulent que cette fonction, elle calcule la fonction HN. Donc ça, c'est une question d'informatique très très bête, il n'y a même pas de révision. Hein. Ça, c'est juste écrire y est égal à x puissance n plus 1 sur x puissance n plus 1. C'est ça qui crée la fonction y égale HNx. Et une fois que vous avez créé la fonction y égale HNx, ils veulent vous faire écrire une fonction de dichotomie. Donc là, je complète ce qui est mis dans le poly. Donc c'est res de Vn, res est égal à V de n. Il vous donne a égale 1, b égale 3. Il vous donne le while. Donc while b moins a plus grand que 10 moins 5. Ouais, enfin, je l'ai écrit comme ça, mais c'est pas écrit comme ça exactement, c'est pas très grave. Il vous donne le c qui vaut a plus b sur 2. Il vous donne aussi le test, c'est si HN de C est plus petit, c'est un plus petit, j'allais mettre l'inverse, mais là je peux pas me tromper, sinon je vais faire n'importe quoi. Est plus petit que 4, alors ils veulent que vous complétiez. Sinon, ils veulent que vous complétiez. End. Et ils mettent fin à leur while, eux ils font ça intelligemment, ils vous redonnent une ligne pour finir et bien sûr ils font à la fin un end function que je recopie un peu à côté mais qui est juste en dessous. Ah, voilà pour ce qu'ils vous donnent. Et donc ils veulent que cette fonction, ils vous expliquent que ça doit approcher Vn par dichotomie à 10-5 près. Bon, comme d'habitude, on a des informations générales qui arrivent. Hein. Par exemple, le fait que Vn soit entre 1 et 3, c'est ce qui force le choix des A et B ici. Le fait qu'ils veulent approcher Vn par dichotomie à 10-5 près, c'est ce qui force la condition sur le while ici. Ensuite, il y a un troisième truc assez simple. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur cette dernière ligne ici? D'après vous, indépendamment de la dichotomie, plutôt encore une fois à cause de la structure de fonction, qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur cette dernière ligne? Surtout pour le membre de gauche. Le membre de droite m'intéresse moins, mais c'est surtout le membre de gauche. Oui, Martin, c'est exactement ça. Puisque la fonction doit renvoyer une variable qui s'appelle res, ça fait res égale, bah, encore une fois, ils veulent que vous renvoyez C, mais si vous renvoyez A, B ou A plus B sur 2, on vous dira rien, c'est absolument parfait. Souvent, ils veulent que vous renvoyez C, mais encore une fois, après, on va aller voir ce qu'ils demandent à HEC, et à HEC, c'était un tout petit peu plus fin que ça. Bon, bah, voilà ce qu'ils vous demandent. Maintenant, il faut faire quand même la partie dichotomie. Alors, je ne l'ai pas remis dans le sujet. Mais mathématiquement, il vous demandait de montrer que la fonction HN, elle était strictement croissante. Donc on va faire des graphes de fonction HN strictement croissante. Hop, je fais ça ici. Première situation, je vais faire la deuxième en dessous, mais en un peu plus petit, mais ça va être la même chose. Elle est strictement croissante.
D'un côté, ça monte très vite, d'un autre côté, ça monte très lentement. Voilà. Donc mon point C, ici, il est au milieu à chaque fois. Donc ici, j'ai bien mon HN de C. Ici, j'ai bien aussi mon point HN de C. Là, j'ai un SN de C strictement. Pardon, j'ai fait une bêtise. Je recommence mon graphe. Je vais justement pas vous faire un graphe de dichotomie classique ici. Donc, je vais recommencer mon graphe. Parce que justement, la solution, c'est pas 1 égale 0. C'est 1 égale 4. C'est toute la subtilité de cet exo. C'est pas très très grave, hein, mais je vais plutôt mettre ma barrière ici au niveau de 4. En fait, je sais juste quand A c'est plus petit, quand B c'est plus grand. Je peux faire un graphe lent par exemple. Et en dessous, je fais le même graphe. Avec une barrière au niveau de 4. Et je mets pareil, un point A en dessous, un point B au-dessus. Et par contre, je monte rapidement. Donc maintenant, ma dichotomie va aller me faire calculer le point au milieu. Donc là, j'ai bien mon HN de C, excusez-moi. Là, j'ai bien mon HN de C. Ce que je peux dire, c'est que dans ma situation 1 et dans ma situation 2, dans ma situation 1, j'ai clairement HN de C plus petit que 4. Dans ma situation 2, j'ai HN de C plus grand que 4. Ils m'ont donné ma contrainte ici. Ils ont donné le 6HN de C plus petit que 4. Donc en fait, eux, ils veulent se retrouver dans la situation 1 dans leur if. Quand j'ai HN de C plus petit que 4, si je regarde mon graphe ici, je vois clairement que le point qui annule se trouve entre C et B. Donc c'est le point A qui doit devenir C. Donc dans cette situation-là, en fait, la commande que je dois poser, c'est A égale C. Ce qui te valide aussi parce que dans l'autre contrainte, j'ai clairement ma solution qui est entre A et C, donc je dois poser B égale C dans cette contrainte-là. Donc forcément, pour respecter leur choix à eux d'avoir le test en plus petit que 4, je dois poser dans cette situation-ci A égale C et dans l'autre B égale C. Et avec ça, j'ai ma dichotomie qui marche parfaitement. Est-ce que ça va pour cette dichotomie-ci? À force, vous voyez que ça vient toujours la même chose. Hein. Les premières fois, c'est forcément très très dur, mais plus on en fait, et plus la dichotomie prend toujours la même structure, le même raisonnement, etc. Alors, on a quasiment fini. On va juste aller voir les grands méchants vilains pas beaux. On va aller voir ce qu'ils ont donné à HEC en 2019. Ils ont donné un truc qui est plutôt méchant. Souvent, alors ça je vous le dis, souvent l'informatique à HEC, je vous déconseillerais de la faire, sauf si vous voyez vraiment un truc à répondre vite, mais ne perdez pas des demi-heures dessus. C'est soit vous avez une réponse à fournir en 2-3 minutes top chrono, soit vous laissez tomber parce qu'ils font souvent des choses que je n'apprécie pas du tout. Et on va en parler tout de suite. Alors, donc je descends, c'est le 3, 5, je sais plus combien. Alors je dois l'avoir là, si je clique là, HEC, dichotomie. Là, voilà ma dichotomie. Alors, hop. Alors il manque la dernière ligne de l'exercice, vu qu'elle est à la page d'après et que je ne peux pas faire un copier-coller sur deux pages. Mais voilà l'exercice. Il n'y a pas de question 3 en fait, c'est juste normalement c'était une question de ABC pour les questions 4, 5, 6, enfin 3 ABC. Et donc j'ai mal fait ma tabulation de numéros et donc ça fait 3, 4, 5, 6 au lieu de faire 3 et en dessous ABC. Mais bon, moralement, il vous donne dans cet exercice une fonction lambda, lambda de x. Ils vous disent que c'est la fonction 1 sur 1 plus exponentielle de moins x en fait. Ils vous font prouver mathématiquement, enfin on peut le voir, enfin c'est pas expliqué, mais cette fonction lambda de x, je vous assure, en fait c'est une fonction qui fait ça dans R. Elle définit sur R à valeur dans 0,1, elle fait ça. Elle a une limite de 1 en plus l'infini, elle vaut 0, elle va à une limite de 0 en moins l'infini. Elle est strictement croissante cette fonction. Donc gamma c'est une bijection de R
dans 0,1, strictement croissante. Bon, en fait, faisons des maths 10 secondes, c'est une fonction de répartition d'une variable à densité. D'ailleurs, une partie du sujet consiste à étudier les variables qui ont cette fonction de répartition-là. Pourquoi ça m'a bougé mon dent de R dans? Je sais pas, mais c'est pas très grave. Donc ils vous donnent cette fonction lambda et ils veulent trouver l'unique solution de lambda de x égale x. Alors c'est toujours pas une dichotomie classique, parce que faire lambda de x égale x, c'est couper ça avec une droite qui ferait ça en fait. Donc le point est quelque part ici. Mais on peut ramener ça à une dichotomie en disant que ça c'est la même chose que faire lambda de x moins x est égal à 0. Et donc on peut se ramener à de la dichotomie. Donc ils appellent x0 le point qui est solution de ça. Et ils veulent trouver une version approchée de x0 par dichotomie. Donc pour ça, ils vous donnent un script. Alors, je vais recopier le script et je vais tout de suite arrêter de le recopier dès la première ligne. La première ligne qu'ils vous donnent, c'est un truc horrible. Et ça qui m'énerve dans l'urgence du sujet, il n'y a strictement aucune raison de faire ça. Ça a encore rebougé parce que, ah, parce qu'il me reste que 5 minutes. Ils vous disent def de y égale lambda x entre guillemets comme ça, virgule, guillemets y 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, parenthèse fermée. Cette ligne est complètement hors programme. Je ne dois pas vous parler normalement de définir une fonction comme ça. Mais cette ligne, c'est exactement la même chose que de mettre les trois lignes suivantes. Function y égale lambda de x, lambda avec un b, lambda de x. De mettre deux lignes plus loin, n function, et d'entre les deux, mettre y égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc voilà pourquoi je déteste l'informatique HEC. Juste parce qu'ils se sont permis de mettre cette ligne-là qui est hors programme, pour essayer de voir si vous comprenez ce qui se passe, au lieu de vous mettre les trois lignes que vous êtes censé programmer vous. Ils auraient même pu rajouter une question pour vous donner ça. Programmez-moi la fonction lambda. Et ils le font pas. Et je trouve ça très juste, bête et méchant. Je trouve qu'il est très bête de vouloir sélectionner des étudiants. Par le fait qu'ils soient capables de comprendre à froid une telle notation, plutôt qu'au moins comprendre cette notation-là, quitte à l'écrire eux-mêmes ou leur donner un petit bout de point parce qu'ils ont su le faire. Bref, j'enlève la ligne 1 qui veut juste dire ça et qui se remplace par cette fonction. Est-ce que ça va? Si on remplace cette ligne 1 par toute cette fonction-là, ça crée juste une fonction qui crée la fonction lambda. Ensuite, ils vous font le script suivant, qui est lui classique. A égale 0, B égale 1. Il vous donne un epsilon à compléter. Il vous donne le while b moins a strictement plus grand que epsilon. D'après vous, que doit jouer epsilon du coup en termes de rôle dans cet algorithme? Juste après avoir écrit ça, si on fait de la dichotomie, quel est censé être le rôle de ce que j'ai écrit dans chacun des exos précédents? C'est quoi le rôle de ce epsilon s'il apparaît à la ligne b moins a plus petit que epsilon? Comme il ne me reste pas longtemps, je me permets juste d'écrire un tout petit peu plus vite. C'est censé être la précision de l'algorithme, officiellement. Alors on va voir que c'est pas tout à fait ça parce qu'ils ont fait les malins. On va y arriver. Ensuite, ils vous font du C est égal à A plus B sur 2. Et ils vous font en une seule ligne, encore une fois, mais il n'y a pas besoin de faire ça en une seule ligne. Si lambda de C strictement plus grand que C. Dans ce cas-là, ils font zen et il y a un truc à compléter. Sinon, il y a un else et il y a un truc à compléter. On met fin au if. On met fin au while. Et en dessous, ils vous mettent x0 est égal à a plus b sur 2. On va y revenir parce que le fait qu'ils aient fait le choix dont je vous parle depuis le début de ça a de l'importance. Et donc il vous demande comment il faut compléter donc ceci pour que ça approche l'algorithme par dichotomie. Et il vous pose d'autres questions. C'est-à-dire que les questions sont un peu plus mathématiques que d'habitude. Si vous lisez la question 4 que j'ai mis dans mon sujet, c'est compléter la ligne 7, donc qui correspond au petit bloc if que je vous ai mis moi,
pour justifier le choix des valeurs affichées. Et ensuite, c'est justifier justement, pardon, le choix des valeurs affichées en ligne 2 et 3. Donc, il vous demande deux choses. Compléter pour que ça fasse de la dichotomie. Et deux, faire les lignes 1 et 3. Donc, je vais le faire. Allons-y. Première chose, compléter pour que ça fasse de la dichotomie. Alors, ils ont encore mis un test si lambda de c est plus grand que c. Si vous essayez de retracer cette fonction, si j'essaie de la retracer, du coup, la fonction lambda de x moins x. En fait, si j'enlève à la courbe rouge la courbe verte, j'obtiens donc une fonction qui est d'abord négative puis positive. Donc, en fait, je peux me tracer une fonction qui est comme ça. Je peux voir ça comme cette situation-là. Ou bien sûr comme cette situation-là. Et donc la question, quand il se pose la question, si au milieu, si je me prends au milieu, ici j'ai lambda de c moins c négatif, ce qui revient à faire du lambda de c plus petit que c, et ici j'ai lambda de c moins c, entre guillemets, moins c positif, donc ce qui revient à faire du lambda de c plus grand que c. Donc eux, leur test est bien en lambda de c plus grand que c. Donc leur test est bien dans la situation 1 là-haut. Qu'est-ce qui se passe dans la situation 1? Dans la situation 1, ça change de signe entre a et c. Donc ce qu'il faut faire comme commande pour continuer l'algorithme, c'est faire b égale c. Et dans l'autre contrainte, ici, c'est plutôt... oui, au revoir Manon. C'est plutôt a égale c qu'il faut faire. Donc, puisqu'ils sont dans la situation C, dans le Zn, c'est du B égale C ici, et dans le L, c'est du A égale C. Bon, ils vous demandent de compléter de la dichotomie, et ça, j'avoue que c'est assez classique. Alors, on va juste finir sur deux petites choses, et on arrêtera là après. Ils vous demandaient aussi de justifier les lignes 2 et 3. Les lignes 2 et 3, c'est ce choix-là. Donc, ils vous demandent de les justifier. Bah, pour les justifier, c'est pour savoir si, en gros, si on a notre solution à l'intérieur de l'intervalle. Donc pour ça, il suffit de calculer, pardon, lambda de 0 moins 0, bah, ça fait du 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0, ça fait un nombre strictement positif. Et si on fait lambda de 1 moins 1, ça fait du 1 sur 1 plus e moins 1 moins 1. Si on met tout au même dénominateur, ça, je vous assure que ça fait du moins e moins 1 sur 1 plus e moins 1. Et donc ça fait un nombre strictement négatif. On a donc bien lambda de x moins x est égal à 0 dans l'intervalle 0,1. Voilà ce qu'il voulait vous faire dire par comment justifier le choix de a égale 0 et b égale 1 dans cette solution. Voilà pour la question 6, pour la question 4. Je ne vais pas faire la question 6, elle est un peu bête. Je vous laisserai voir dans. Je mettrai en bout de celle-là, vu que je pense que j'ai un peu mieux expliqué les choses, ce que j'ai fait en cours, l'autre fois, vu que j'ai fait la question 6. Par contre, je vais bien expliquer la question 5 parce qu'il y a une feinte et une subtilité dans la question 5 qu'il faut comprendre. J'efface mon graphe parce que maintenant je n'ai plus à compléter ma dichotomie. Il vous demande dans la question 5 quelle valeur mettre ici, donc quelle valeur mettre dans cette case-là, dans la case ici que j'encadre en bleu. Oula, mince, j'ai zoomé à fond, je vois plus rien. Je dézoome, voilà, pardon. Oula, stop. Il vous demande quoi mettre dans la case en bleu ici pour que à la fin de l'algorithme, on ait une précision. Précision de 10 moins 4. Et là, il y a une subtilité, parce que je pense que la réponse naïve que vous voulez mettre à la question 5, c'est... Et je pense qu'on ne peut rien vous dire si vous dites il suffit de prendre epsilon égale 1e moins 4. Mais si vous lisez leur question, c'est quelle est la valeur maximale que l'on peut affecter? Donc ils veulent vraiment la valeur optimale qu'on peut mettre pour faire ça. Et ça, à cause de la dernière ligne qui est en x0 égale a plus b sur 2, c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu.
Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle valeur on peut mettre pour que ce soit quand même en précision 10 moins 4, sachant qu'il y a 1 plus b sur 2 à la fin? Ben non, parce que E1, E-3, Martin, c'est 10 fois plus grand. C'est 10 fois plus grand que 10 moins 4. Donc c'est pas du 1 E-3 qu'on veut mettre. On gagne pas un facteur 10 à chaque fois dans la dichotomie. On gagne une division par 2 à chaque fois dans la dichotomie. Donc c'est bien lié au fait qu'à la fin, ils refont une étape de dichotomie en faisant le A plus B sur 2, mais c'est pas du 10 moins 3. C'est quoi du coup qu'il faut dire? La valeur max. Puisque je redivise par 2 à la fin, si je veux que ça fasse 10 moins 4 à la fin, c'est qu'au début, quand je fixe epsilon, je peux me permettre de mettre du 2 fois 10 moins 4. Si je mets du 2 fois 10 moins 4, si je mets du 2 10 moins 4, alors à la fin, comme je fais une dernière étape, je peux me permettre d'avoir une précision de 10 moins 4. Et donc ça, c'est une question. Par contre, autant j'aime pas tout le reste de ce qu'ils ont fait, autant cette question 5, je la trouve très intelligente. Ça, c'est une bonne question pour moi informatique, qui peut trier des gens s'ils ont vraiment compris des choses, mais qui a du sens. Enfin, c'est fin, mais ça se comprend. Ça joue pas sur des choses qui sont hors programme et bateau. C'est vraiment de la bonne informatique, fine, précise. Est-ce que ça vous va le fait que c'est du 2-10-4? Vous comprenez la subtilité? Bon, bah si c'est le cas, je vous le dis juste, la question 6, et on arrêtera là, la question 6, c'est savoir ce que renvoie la commande lambda de x0 moins x0, enfin lambda écrit comme ça, lambda. Bah ça forcément, puisque ceci est une approximation à 10-4 près, ceci ça renvoie à un nombre inférieur à 10-4. C'est pas très très intéressant, mais ça c'était la question la plus facile d'info. Voilà, bon, ça c'était un peu plus fin le dernier exercice. Désolé d'avoir débordé un tout petit peu. On a vu tout ce qu'il y a à voir sur la dichotomie, on a fait tous les sujets des 2 dernières années en dichotomie. Je pense que vous avez compris le principe. Si vous n'avez toujours pas compris, il faut que vous investissiez du temps pour le comprendre maintenant. C'est juste se couper au milieu et ce test avec ce if qu'il faut bien maîtriser. Le reste autour est un peu dur et bloqué. Voilà pour ça. On arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Je peux répondre à vos questions informatiques ou mathématiques si vous le voulez. Et on se donne rendez-vous lundi.